Voilà. C'est bizarre, j'étais persuadé que Cocorico, avec la cinquième ruine qu'il y avait dans le village, nous permettrait d'accéder à ce temple-là. Mais au final, c'était bien ici. Donc c'est bizarre. C'est marrant, les îles du tonnerre, on les voit de là. Mais l'île Caput Draconis, on le voit de là. C'est bizarre que ça, ça disparaisse pas par contre. Parce que c'est vraiment chiant, pour le coup. Et à mon avis, il doit y avoir un vœu des sages là-dedans, ce qui m'énerve un peu. Bon, il est minuit 11. Hein. On est en week-end, mais... quand même, faudra pas trop traîner si on va faire quelque chose demain. De précieux matériaux, qu'est-ce que t'as? T'es pas content parce que j'ai créé ton golem, c'est ça? Sur ordre de Dame Binerou, je parcours les profondeurs de la Terre à la recherche de matériaux à extraire. J'étais contraint de rester longuement caché lorsque le sbire du roi démon a envahi le temple de l'esprit. Mais grâce à toi, j'ai pu prendre ma revanche. J'ai pu reprendre ma tâche, je te remercie du fond du cœur. Laisse-moi te donner ceci en gage de remerciement, j'ai trouvé ça dans les profondeurs de la Terre. Oui, d'accord. J'en avais trouvé une ailleurs, d'ailleurs. Je te l'ai déjà dit, mais je recherche des matériaux pour Dame Mineru. Si tu as du sonium, je te saurais gré de m'en donner. Tu recevras quelque chose en contrepartie, cela va sans dire. Apporte-moi 50 pièces de sonium et je te donnerai une lame ancestrale. Tu sens même que tu possèdes déjà tous les matériaux. Pourrais-tu me les échanger contre une lame ancestrale? Merci. D'accord, si tu changes d'avis, tu n'auras qu'à me faire signe. Ça fait cher 50, mais... Merci pour les matériaux. Tiens, voilà pour toi. Putain, dis-moi que l'autre golem, il permet d'avoir l'armure archéonique. Tu rassembles à nouveau les matériaux qu'il me faut, je suis disposé à refaire un échange. Putain, 50 juste pour un. Alors que j'en ai trouvé... Le premier que j'ai trouvé, c'est dans un coffre au pif. Des armes spéciales. Je suis un golem forgeron. Dame Mineru m'a créé pour exploiter tout le potentiel de l'énergie sono. Je suis donc capable de fabriquer des armes et des objets à partir de sonium. Enfin, je n'en ai pas eu l'occasion ces derniers temps, occupé que j'étais à me cacher du sbire du roi démon. Cette horrible créature avait envahi le temple de l'esprit. C'est grâce à toi et à Dame Mineru que je peux enfin reprendre mes activités. Accepte donc ma gratitude éternelle. Je travaille normalement exclusivement pour Dame Mineru, mais tu es un cas exceptionnel. Si tu m'apportes suffisamment de sonium, je suis prêt à te l'échanger contre des armes ou d'autres objets. Ah. Donc le sonium qui trouve une utilité là-dedans. Ah, c'est tout par contre. Ok. L'arc, c'est cool, mais ça reste super cher. 60 de sonium. Ces trucs-là, malheureusement, c'est pas assez fort pour être intéressant, ça non plus. C'est dommage, mais c'est dommage. Puis surtout, c'est pas des trucs qu'on trouve nulle part, quoi. On peut en trouver si on connaît les mobs qui les drop, quoi. C'est toujours un plaisir de te voir, je reste à ta disposition. Tu brandis l'épée de l'Étendre, je sens que l'ultime combat contre le roi démon approche. Appelle-moi dès que tu as besoin de mes forces. C'est-à-dire que j'aurais préféré une source de sonium infini, quoi. C'est plus intéressant. J'essaye de voir s'ils auraient pas caché un coffre, mais vu qu'on est dans un temple, ça m'étonnerait. Ah, peut-être au-dessus. Non? C'est un poil trop élevé. Huh?
Moi je suis Nintendo, je cache forcément un truc sur le toit. Allez, j'ai oublié que c'était Nintendo et pas MiYoYo. MiYoYo ils cachent des trucs partout parce qu'ils ont que ça à foutre. Mais Nintendo ils s'en fichent. C'est bien sûr pas destructible. Hein. Toutes les rushs, sinon j'aurais tout pété, mais. Ok. Ben pourquoi pas, moi je dis. Hein. En tout cas, la musique elle est chill ici. Trop bien. C'est trop bien la musique par ici. J'arrête de zozoter. Plus je me moque pas, je trouve juste qu'elle lui donne un style très très cool. Hein. Je peux remonter là, genre? Non. Ça aurait été trop simple, mais je dois pouvoir remonter par là, du coup. Presque, il y a un intérêt à remonter. Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer le golem de Minerva. Mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas une version fantomatique? C'est ça qui est débile. Et je peux lui monter dessus. Ça fait quoi pour voir du coup le dos là? Rien. Trop bien. Eh, c'était pas là ça la dernière fois, sinon je l'aurais vu. Du sonium. Je cache pas mon plaisir de trouver ce genre de choses ici. Facile. Alors ouais, j'ai déjà brisé un truc comme ça qu'il y avait ailleurs. Au final, il y a très peu de sonium dedans. C'est un gros gisement, mais... Vous voyez, vous détruisez une grosse partie en finale des trois pierres quoi.
vraiment assez rageant, quoi. Bon, en vrai, il y en a pas mal. Quand vous détruisez le bas, vous détruisez le haut en même temps. Vraiment que j'arrête, hein, parce que je vais finir par zozoter tout le temps. À ne pas le faire exprès. Et c'est trop bien en fait, parce que ça colle avec son personnage. Et je suis sûr qu'en français, ils l'ont pas mis le zozotement. Parce qu'ils se sont dit, non mais c'est mal vu, faut pas se moquer. Ça lui donne juste une personnalité en fait. J'aimerais vous voir, moi, si vous étiez une chèvre humanoïde, est-ce que vous osoterez ou pas? Hein? C'est pas dit, hein? Ah, ça va, on s'est remboursé en vrai. Il devait y en avoir une quarantaine. Faire le choix des pouvoirs, c'est compliqué quand même. Mais attends, on va pas te laisser tout seul, toi, t'inquiète. Plus, je rappelle que les mobs, tous les mobs ici donnent du sonium. Hein. Genre, il est allé jusque là-bas. MDR. Il a fait de la lumière, non mais vraiment. Vraiment, j'aurais eu ça pour explorer, j'aurais été refait. De quoi t'as peur en fait si t'explores les profondeurs avec elle? T'imagines, t'as pas touché aux profondeurs, tu la débloques. Mais comme t'es trop bien. Comme t'es trop bien. Tu dis pouf. Ouh, une chute, mais c'est pas grave. Ouah, ah, ah. Et encore un inox d'ici. J'en suis où au niveau de mes tampons? Oh, j'en ai récupéré pas mal en vrai. Ouais, donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Il y a plein d'inox, il y en a encore un autre là, je crois. Bah c'est cool en vrai. Hôtel Dracos, je me souviens plus, je crois qu'il y avait un loot ici. Bah c'est cool. Ouais, bon. Bah, c'est parti pour l'exploration du ciel. Hein. Et j'ai eu... Combien de vœux des sages? 9, je crois. Je peux le savoir facilement. Il m'en reste 1. J'ai amélioré 2 pouvoirs, donc j'en ai eu 9. Il y en a 20. Malheureusement, j'en ai pas marqué 9 sur la carte du ciel. Donc, il va falloir les chercher. Mais, genre, à tous les coups, il y en a un là, tu vois. Genre là. La question, c'est, est-ce que j'y suis déjà allé ou pas? Ça, c'est le problème. Je me demande s'il y a le masque de Mineru aussi pour augmenter les pouvoirs de Mineru. Techniquement, non, parce qu'il est là, son masque. Et du coup, il y a deux façons d'augmenter leur pouvoir. Soit t'as le masque, soit tu l'augmentes avec les vœux des sages. Est-ce que tout se cumule, par contre, c'est la question. Allez hop, on est soigné, on va manger des noix de coco grillées, parce que qui mange une noix de coco grillée fait confiance, n'est-ce pas?
Hop. On va où? On va assez loin quand même. Donc on va peut-être utiliser quand même la tenue qu'on n'a pas en entier d'ailleurs, celle-là. Là, j'aimerais bien trouver la troisième partie. On va où? On va là-bas? Non, on va encore plus loin. Ouais, on va encore plus loin. Quand t'as fait ça, t'as fait un cinquième du trajet. Oh, ça va, on aura assez de batterie normalement. Ça m'étonne en fait de pas l'avoir déjà là. L'arène. Hein, que ce soit vachement plus bas que ça. Ah, elle est là. Direction cette arène. Non, en fait, elle est tout en haut. Et c'est dommage qu'ils mettent que des trucs Gigamax à la con. J'aurais pu mettre d'autres mobs, mais en même temps, c'est pas cohérent qu'ils soient dans le ciel. À part peut-être les griocs, mais... pour le moment, on n'a jamais vu un grioc dans le ciel, quoi. En même temps, on n'a jamais vu autre chose que des golems dans le ciel, je crois. Je crois bien. Bon, bientôt milieu d'énergie, on va voir si ça nous suffira. Je regarderai la map quand on y sera. Est-ce que je me fais karma et en fait c'est un griog qui est là-haut. J'ai pas l'impression de monter, c'est ça qui m'énerve le plus. Bon, on a fait plus de la moitié, donc normalement on a l'énergie pour, mais... Je suis pas sûr qu'on soit assez monté depuis le début. Imagine, ils font un patch pour que même ces trucs-là, ça... Ça dure pas assez longtemps. Quelle horreur. On va vraiment être vicieux. Ça se trouve, le pire, c'est que je l'ai déjà fait. Hein. Non, mais c'est pas n'importe quel griok, c'est un roi griok. Bon, c'est pas grave, on va le défoncer, mais quand même. Ah ouais, roi griok. Monte volontairement dans le ciel. Après, le coffre a pas l'air d'être bloqué plus que ça. Donc, roi griok qui vole. On va lui taper dessus avec son arc. On va lui taper dessus... Avec cette arme. Pas de bonus de dégâts. Pas de bonus d'armure non plus, mais normalement il n'aura pas l'occasion de nous toucher. Oh!
Non, tu décolles pas. Quand même. Ah, et le coffre est loqué si tu le tues pas. Ouais, c'est vache ça. Il a même pas fait des pop mon scooter à pouvoir le réutiliser. Quel plaisir. Bon, si c'est pas un roi griot ça, je sais pas. A votre avis, est-ce qu'ils sont vaches au point de mettre un courugu sur cette arène? Je veux dire pas si c'est un roi griot, si c'est un vœu des sages ici. Bon, si c'est pas un vœu des sages, je sais pas où est-ce qu'ils veulent qu'on en trouve un. Un papillon glagla ça? Je crois que j'en ai pas encore des papillons glagla. Oui. Après, je viendrai pas ici spécialement pour trouver un papillon glagla, hein, faut pas déconner. Donc ça, c'est fait. On considère qu'il y en a un par zone, c'est pas suffisant. Là, on en avait trouvé un autre, a priori. Et ça veut pas dire qu'on a tout trouvé pour autant. Là, il y a une arène aussi. Après, ça se trouve, c'est que sur ces arènes comme ça. Hein. Il y en a plein des arènes comme ça. Hein. Donc ça, c'est la même forme. Donc il y a des chances que ça soit encore un roi griot. Là-dedans, pourrait y en avoir un aussi. Ça m'étonne que je sois pas allé ici encore. Bon, j'y suis déjà allé, mais on sait jamais. Pareil ici. Non mais je vais pas voler 10 000 ans jusqu'au bleu là, je vais pas vous affliger ça quand même. À moins que... Pas si on accélère des masses en fait. On avait déjà fait cette configuration, je crois, à un moment. Je me souviens plus si c'était efficace ou pas. Je pourrais pas dire si on va aller plus vite réellement. Elle est où, bordel? Ce qui est sûr, c'est que la consommation, elle a drastiquement augmenté. On va vers le violet, donc là-bas. Par contre, la stabilité, elle est parfaite. Hein. On penche légèrement vers le bas. Là, je touche pas le joystick et on est comme ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a quand même une certaine vitesse. Là, je crois que c'est cette arène-là qu'on veut. Du coup, là, si je push un peu vers le devant... On avance à une vitesse, je pense, assez confortable. Bon, la maniabilité gauche-droite, à mon avis, par contre, elle est pas ouf. Mais... pas tout avoir dans la vie.
Ça se trouve, il y a des vœux des sages aussi dans la truc de base. Hein. Ah non, je suis pas sûr d'aller bien plus vite. Hein. J'ai consommé ce que j'avais consommé pour l'autre et... J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de chemin. Bon, ça par contre c'est forcément un temple, à mon avis on pourra pas aller dedans, mais tout ce qui est en dessous peut-être. C'est bizarre quand même. Ouais, d'où j'ai froid. Anti-froid 2, allez, tu vas faire quoi? On va falloir utiliser un cristal sono. Hein. On y est presque. Ça, à mon avis, c'est un gigamax. Possible que je l'ai déjà fait, celui-là d'ailleurs. Ah, quoique, il est dans une zone où j'avais pas voulu faire trop de choses, donc peut-être que non. Je peux pas descendre plus que ça par contre, c'est assez inquiétant. Genre là j'ai le joystick vraiment full vers le bas. Et il refuse, donc ça veut dire que je peux pas descendre avec cette... Si là pourtant on est bien en train de descendre, non? J'ai pas l'impression d'aller plus vite qu'avec 3 ventilateurs. Il a un coffre, donc je l'ai pas battu celui-là, comme je le pensais. Oups. Pardon, c'était pas ce que je voulais faire. Mange des œufs durs. On disait combat. C'est l'heure du. Pourrait le taper avec ça, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui lui fasse le plus mal en vrai. Bon, en même temps, tant que c'est pas pété. C'est un ultime, ça vous êtes sûr? Alors parce que pour... Oui, c'est un ultime. Pourquoi je lui ai fait si mal? J'aurais pas dû. C'est des sages. Comme prévu. J'aurais pas dû lui faire si mal. Que ça vaut le coup de lui mettre ça dessus. Non, je pense pas. Le suivant.
En vrai, c'est plus intéressant d'aller au jaune, je pense. Qui sera un peu plus en hauteur, lui. C'est celui qu'on voit au fond. Je pense. À moins que ça soit celui-là. Ah, doit y avoir... Ouh, ça, c'est un Gigamax. C'est un Gryhawk, je pense. Bon, ça, pour le coup, c'est con d'y aller comme ça, parce qu'on a clairement... une fuite d'énergie. On a clairement une fuite d'énergie dans le moteur. Et donc il y a celui-là, et il y a celui-là, mais il y a clairement, je voulais dire, comment on dit déjà? Un sanctuaire juste à côté. Donc c'est débile. Après ça tombe bien parce que les îles célestes, je voulais les faire de toute façon avant de finir le jeu. Donc on va les faire même avant d'aller voir les piafs. Enfin, de finir d'aller voir les piafs parce qu'on a déjà commencé en vrai. Mais ça, quoique... Est-ce que ça sera un Gryhawk? Parce que la reine avait l'air bizarre donc... à mon avis c'est un Gryhawk. Hein. J'essaye de monter histoire d'avoir une visue. Un faisceau? Oui. Ça, j'y suis déjà allé, a priori. Ça, à mon avis, j'avais déjà tout visité, mais ça me fait bizarre parce que pourquoi j'aurais pas pris ça? Ah, parce que j'avais découvert ça. Mais j'ai peut-être pas visité tout ce qu'il y avait à côté. Ah. À mon avis, c'est un Gigamax. Il y a trop de trucs à côté pour qu'ils mettent un Gryhawk, ouais, un Gigamax. Est-ce qu'il a toujours son coffre? Je crois que oui. À moins que je devais le tuer pour le temple du dessus. Je vais peut-être le tuer pour le temple du dessus, celui-là. Ouais, je l'ai déjà battu, celui-là. C'est pas grave, on va le rebattre. Par contre, il a cru que j'allais pas voir qu'il était faible. Oh, il fait froid ici, il faut que je me barre en plus. Après, ça serait logique hein, si j'ai déjà eu un... un truc là, ça serait bizarre d'en mettre un autre là. Mais il y avait quoi dans cette maison du coup? Et vas-y que j'ai froid, non mais nique. Et en plus j'ai pas un peu froid quoi, j'ai beaucoup froid. Dans cette maison il y a rien, on est d'accord. Juste de quoi faire un autre véhicule volant. Est-ce que le mien a des pop d'ailleurs? Me suis-je trop éloigné? J'ai l'impression que oui. Mais c'est pas grave, parce que je peux le refaire. On fait 6.
Hop, ça c'est fait. On pourrait explorer tout le reste à côté, mais d'abord on va s'occuper des endroits qui ont l'air suspects. Donc jaune. On va quand même mettre les bottes d'énergie. Vous pensez qu'il va jusque tout en bas ce truc d'eau? A priori je m'en suis déjà occupé mais c'est quand même curieux. Ouais non. On va dire qu'on s'en fiche. Si j'ai déjà trouvé un vœu des sages ici en plus que... parce que j'ai marqué que c'était un vœu des sages. Ah non, j'ai toujours froid, mais Nick. Là, je l'ai pris, ok. Donc là, ça devait être un vœu des sages, d'accord. Ça m'étonne que j'ai pas déjà check ça, mais... Ouh, ça c'est un Griok par contre. Griok de glace, à mon avis. Tu es des... Ouais. Ouais, 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 ça c'est un Griok. Hein. Je crois pas avoir assez d'énergie pour y aller par contre. Pas comme si c'était rare. C'est encore un roi Griok. Eh ben. Ouais, mais du coup, faudra que je le fasse tomber au sol. Putain, je vais avoir froid par contre. Est-ce que j'ai encore un autre truc de résistance au froid? Niveau 2. Non, par contre, j'ai des améliorations de dégâts quand il fait froid. Ouais, ça devrait compenser. Que c'est juste un froid niveau 1. Ah mais si c'est un froid niveau 1. C'est bon en fait. C'est un froid niveau 1, je peux mettre mon armure. Parce que j'en avais, je crois, de la résistance froid niveau 1. Non? Oui, 5 minutes 30. Ça c'est encore un roi Griok, mais sérieux. Il y en a combien dans le jeu? Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend ça. Faut quand même le faire tomber deux fois. On pourrait limite l'affronter avec son arme à lui, mais... Celle-là, j'ai peur qu'elle se brise pendant qu'on est en combat. Je mange des pommes.
Ça, c'est pour être sûr de le tuer. C'est ma bitch, le roi Griok. Je crois qu'il y avait un truc rare dedans, genre des viscères ou je ne sais quoi. Totalement. J'ai déjà eu, mais c'est assez rare en vrai. Est-ce que mon... Oui. Mon véhicule est toujours là en plus. Parfait. On se balade avec parce qu'on voudrait pas qu'il disparaisse ce coin. Ça c'est un vœu des sages, c'est obligé. Ok, le problème c'est que ça c'est lié au temple. Faudrait faire un truc genre... Quoi, j'ai mis tous mes marqueurs. Hey, parce que j'ai pas le droit de mettre un marqueur. Ça c'est débile, tu peux pas mettre un marqueur dans le vide. Donc, on fait bleu into vert. En espérant qu'il fasse pas trop froid d'ailleurs. Donc là on a de quoi améliorer un pouvoir de sage. Ouais. C'est ça, quand je pense au max vers l'avant, je suis full droite en fait. Donc là je descends pas, je vais juste tout droit. J'ai pas l'impression d'aller très vite pour être honnête. Hein. Et je pourrais me TP et faire ça bien plus rapidement, mais je trouve ça plus marrant de le faire comme ça. Il y a forcément des sanctuaires là-dedans, mais à mon avis, il n'y en a pas plus de 2 ou 3. 2 déjà, ça serait énorme. En général, il n'y en a qu'un. Il continue de faire froid, par contre. Après, c'est un froid niveau 1, donc quand il n'y aura plus la bouffe, on pourra quand même le compenser. Mais je vois plus les nuages là déjà. Donc on peut peut-être juste traverser dedans. Là j'en aurais trouvé un aussi. On va dire vert. Hein. Vert, on pourrait même faire les archipels qui est sur le chemin. Mais je suis même pas au niveau de la montagne là, c'est ça que t'es en train de me dire. Là en dessous il y a une montagne. Genre celle-là et je suis même pas au niveau de la montagne. Ouais, c'est totalement fait pour être exploré façon donjon ça. Bon, par contre je surveillais pas mais... Alors, on pourrait commencer genre par là, quoi. Genre bleu. Genre bleu, c'est en hauteur, c'est genre ça, là. Oui, tout à fait. Par contre, il va faire froid toute la vie ici, donc... À moins de se balader avec une arme enflammée... Est-ce que ça marche, ça?
Oui, totalement. Voilà. On se balade avec ça. Et au pire, on l'utilise même pour tuer des trucs. Et ça, parce qu'il n'y a pas d'autres, y a pas d'autres îles hein, par ici. Et tout ça, à mon avis, c'est donjon. Et là, pour monter, ça monte quand même vachement vite. Hein. Archipel céleste d'Ebra Est. Cette chair d'Ebra, elle nous avait manqué. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir par ici? Des plantes, ouais. Y a ça, mais je vois pas trop l'intérêt. Il nous donne de quoi faire un véhicule volant. C'est, ça, c'est peut-être le bout, en fait. Regarde s'il y a des coffres. Hein. Ça, c'est un coffre. Non. Ouais, donc de quoi faire des véhicules? Ah bah un temple, tout simplement. Tout simplement un temple sans pierre. Ah mais... Oh, je descends. Avec des... Ok. Donc va chercher la pierre. Où est la pierre? En vrai, je pense qu'il m'en manque 4 sanctuaires. Sans vouloir être mauvaise langue ou quoi que ce soit, je pense qu'il m'en manque que 4. Enfin, plutôt vantard que mauvaise langue. Oui, c'est logique. Faut dropper quoi, vous? Des lumières, des hélices, des trucs. Ouais, de quoi faire des trucs qui volent. Après, les hélices, ça me gêne pas parce que j'en manque un peu, mais. Regardez sur la map que ça donne pas autre chose. 100 planeurs, 33. Ah non, ça c'est ce que j'ai dans ma sacoche. J'avais pas compris que c'était ce que j'avais dans la sacoche. Et du coup, la pierre, il me dit qu'elle est par là, mais à l'intérieur, c'est ça qui me fait bizarre. Parce que là, en haut, on est d'accord que ça va être un gigamax, hein. J'ai pas froid. On n'est pas loin de la plateforme. On va lui défoncer la gueule de manière conviviale. C'est pas un Gigamax. Ok. Salut toi, t'as pas froid par ici? Non, j'ai pas froid. Allez, gratte-moi le cul. D'accord. De l'or gelé.
Un or gelé? Mais non, j'ai pas froid, je te dis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oh. De toute façon, ça c'est des cartes au trésor, non? Oui. Oh, bah non, j'ai déjà trouvé. Oh, c'est pas drôle. Est-ce que je peux y monter de par en dessous? Ils sont déjà alimentés en brûleur. Oui. Il est marrant, le jeu, quand même. Ce compte est construction qui est quand même vachement cool. Hein. J'équilibre la charge. Bon, je vais sûrement avoir perdu mon véhicule. Hein. On l'avait pas payé celui-là, donc je suis pas trop triste. Pas censé utiliser ça. Si, mais en menu humide. Faut que je le garde, sinon... Quoique, là je dois pas avoir froid à côté des mauvais. Ça, c'est les batteries qui disparaissent. C'est pas grave, en vrai. Non, on passe juste à côté. Si on passe juste à côté, c'est du génie. Surtout qu'on en a pas besoin. On a dit arme de feu. Pas des papillons glagla là. Il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'y a rien ici en fait, mais si, totalement. Il devait y avoir des planeurs ici avant, mais c'est plus le cas. Rappelle que ce truc est étonnamment pilotable, de manière efficace. Juste ouvrir la route.
Mon bro, you know bro. Voilà, fais tout cramer. J'ai vu qu'il n'y ait pas d'autres coffres. En vrai, on a eu un coffre au trésor, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un peu des sages là. Faut juste l'aider à décoller un peu. C'est vrai que ça flotte dans les airs. Et bien sûr que ça monte. C'est juste un peu lent. Bon, j'ai l'impression que ça monte, mais je suis même pas sûr. Je braque, juste braque. Et de voir s'il n'y avait pas une autre entrée, hein, mais j'ai pas l'impression. Ouais, cette histoire, c'est quel dragon qui est pas loin là? Oui, je sais, j'ai ramené la lumière, blablabla. Bla, bla. De toute façon, on va pas y avoir des preuves normalement. Donc, y a pas grand chose à craindre. Donc pas de vœux des sages par ici. Quel dommage. Passe brute. Bon, on a quand même une lueur, mais on n'a pas de vœux des sages. Ils nous ont fait 105. En vrai, je pense pas qu'il nous en manque plus que 3. J'en mettrai 2 dans le temple, là. Et peut-être un autre que j'ai loupé quelque part ailleurs. Mais j'en vois pas plus. Hein. Je vois pas plus d'endroits où il pourrait en avoir mis. Il est où ton dragon, là? Je ne vois pas. Ouais, d'accord. Ensuite, prochain, c'est par là. Limite, on peut aller voir sur cette petite île, il doit y avoir un coffre, mais... Ou un corrigu, tout simplement. Oh le con. Non, faut juste grimper dessus, je crois. Je me permets, on est à côté. J'ai tout exploré sur la petite île à côté. Oui, je pense. Faut que je le réoriente. Ouais, faut que je le réoriente. Oh,
Bon, déjà, on va regarder que ça soit pas sur l'arbre. Hein. Enfin, qu'il n'y en ait pas un autre sur l'arbre. Ou autre chose. C'est non. Ah, mais c'est Zeldo en plus! Faut qu'on aille sur Zeldo. Zeldo! Il nous manque son écaille, je crois, en plus. Donc on peut lui taper un peu partout. Hein. On a eu la griffe la dernière fois, on a les cornes, on a le croc. Il nous manque que l'écaille. Hein. Ma chère Zeldo, comment allez-vous? Ah mais je connaissais déjà l'écaille, c'est juste j'en avais plus. Je vois pas dans quoi j'ai utilisé l'écaille par contre. Ah bah si, il y a une armure qui nous demande d'avoir l'écaille. Oui, il y a une armure qui utilise les trucs de Zelda, c'est vrai. Ok. Donc là, on veut aller là. À mon avis, j'ai dû le faire, ça. En plus, il y a... Ça devait être pour le sanctuaire, à tous les coups. Par contre, il y a un autre truc à côté, donc peut-être que... Parce que j'ai pas marqué de coffre, ici. Donc peut-être que... On verra. J'ai pas dû enlever le marqueur sur l'autre aussi, vu qu'il était au niveau du sol. Mais normalement, si j'ai fait les sanctuaires et tout, c'est que j'ai fait ce qu'il y avait autour. Mais... Non, ça l'a enlevé le marqueur. Je l'ai déjà enlevé. Je suis quelqu'un de bien, c'est pour ça. C'est haut quand même. Ah, ils m'ont fait peur les cons. Des pommes. Des pommes d'or peut-être? Oui, une pomme d'or. Je crois que je l'avais déjà dit ça en plus à l'époque. Oh, une pomme d'or. Il faut tellement regarder les trucs dans tous les sens parce qu'il peut y avoir un Korogu un peu partout. Sanctuaire de Miami. Ça ressemble pas du tout à ça, Miami, t'as fumé. À mon avis, celui-là je l'ai déjà fait aussi. Ah, je me demande si c'est pas celui qui mène d'ailleurs à la première épreuve. Que ça sert juste à remonter, donc il n'y a pas de coffre plus que ça. Et lui-même en tant que Gigamax, il n'a pas de coffre. Déjà vaincu. Par contre, ça pourrait être intéressant. Au-dessus? C'est genre ça? C'est genre ça, d'accord. Ça, j'ai pas dû y aller pour le coup.
quasi sûr que j'y suis pas allé. Oui, d'ailleurs. J'aimerais bien sauvegarder... ça. Même si je suis pas sûr que ça soit plus intéressant. En fait, celui-là, pour que... il penche pas de base vers le sol, faudrait le... Parce qu'au final, c'est genre une maison, mais au-dessus de tout ça. Ouais, ça, à mon avis, j'y suis jamais allé, ça. C'est quasi sûr. Autant ça, j'y suis allé parce qu'il y avait l'épreuve de courage. Autant ça, j'y suis jamais allé. Je mettrai ma main à... Non, pas à couper, j'en ai besoin de ma main. Quoique, c'est pas la mienne. Et vu les structures et tout, doit y avoir un coffre, c'est obligé. Si je l'ai déjà pris, bah my bad. Ma mémoire, hein, vous savez, c'était il y a 150 heures, voire plus maintenant. Peut-être 200 heures. Après, c'est peut-être juste un coffre. Enfin, juste une carte. C'est juste une carte. Oh non! Oh non! C'est pas sympa. Hein. Bon, y'a pas une petite crotte au cul, là, pour me consoler? En vrai, le jeu est tellement agréable à jouer que sur celui-là, je serais capable de faire les mille crottes au cul. Bon, s'il n'y avait pas d'autres jeux à faire, bien sûr. Je sais déjà à quoi je vais jouer après. Donc, Bon, d'accord. Un poil déçu, on va pas se mentir. Hein. Pas grave. C'est le jeu, m'a pas voulu cette. Du coup, il y a le truc par là. Alors ça, a priori, je l'ai fait. Pourquoi ça me semble louche tout ça? Je l'ai fait mais j'ai rien marqué donc c'est louche. Ça c'est perdu au milieu de nulle part donc c'est louche. Combien vous pariez qu'il y ait une crotte au cul là-dessus? Après, c'était juste sûrement... Ah, c'est la voie de l'eau, donc celui-là avait une vraie énigme derrière. Ça aussi, c'est louche. On va vers le bleu. Et vous excitez pas, hein, ça risque d'être ça la prochaine vidéo aussi. Hein. Pour ceux qui se demandent. Bleu clair, non, bleu foncé. Cette direction.
fout rien dans cette direction en fait. Donc à moins que ça soit tout au... quasiment au niveau du sol. Des fragments d'étoiles qui tombent, mais ça on a l'habitude. Mon véhicule tourne tout seul, c'est bizarre. Oh, je vous disais qu'il était pas stable par rapport à l'autre version. L'autre version, je peux ne pas toucher au stick et on bouge pas quoi. Ouais, mais il y a un coffre. Hein. Alors, il y a une chance sur deux que ça soit de la merde ou une carte au trésor. Mais il y a un coffre. Et c'était bien un vœu des sages. Celui-là, il était caché. Hein. Donc, si des trucs comme ça, ça peut être des vœux des sages aussi, bah bien sûr qu'on va tous se les faire. Bon, à mon avis, mon véhicule, je peux me le mettre au cul. Hein. Mais bon, vu que notre destination suivante, c'était là. C'est pas une grosse perte. Allez, encore 3 et on aura fait notre objectif minimal. Qui nous permettra d'augmenter nos pouvoirs actuels. Après ça serait bien de tous les trouver, mais bon, j'ai pas envie de passer non plus 10 000 heures à chercher genre un vœu des sages qui nous manquerait, alors que si ça se trouve plus tard il y aura un PNJ qui nous dira tu devrais aller par là à chercher que tout ça à mon avis je l'ai déjà exploré. Et comment en être sûr, c'est la question. C'est pas parce qu'on a le corrugu de la zone qu'on... Après ça me dit bien quelque chose ça. Ouais ça me dit bien bien quelque chose. Hein. Si je devais mettre quelque chose je pense que je le mettrais là. Ça fait stresser. Hein. Parce qu'on pourrait se dire oui, mais j'aurais dû mettre des marqueurs partout où je voyais des trucs intéressants, mais le fait est que j'aurais dû en mettre partout. Partout, tout le temps. Déjà que j'ai fait ça dans les profondeurs. Mais il me faudrait genre 300 marqueurs de plus pour faire les non-profondeurs. Ça c'est un corrugu en plus, c'est sûr. Ou juste des pommes. Juste des pommes. Ouais, juste des pommes, hein, peut-être. Ouais, bien sûr, juste des pommes. Hein. On y a cru au juste des pommes. Hein. Thank you.
J'ai dû louper tellement des corrugus comme ça. Mais c'est vache parce qu'il faut regarder tout autour de la map quoi. J'espère qu'il n'y ait pas un truc là aussi en vrai. Là on voit qu'il y a des papillons par exemple. Ouais, barre-toi, de toute façon personne t'aime. Pire insulte. Je pensais que je suis déjà allé. Hein. Oh le pauvre, le pauvre. Non mais c'est pas marrant. Tout ça, ça ressemble totalement à un endroit où j'aurais pu déjà aller. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il y avait un vœu des sages ici. Ou une carte au trésor simplement. A mon avis je l'ai déjà fait quoi. C'est ça mon vrai problème. Parce que vous voyez, j'ai déjà pris ce truc de golem. Donc ça se trouve, il y avait un vœu des sages ici. Mais je m'en souviens pas, quoi. Je me souviens tout à fait de quoi en plus. Ta gueule! Bordel duck. On commence quand même à avoir une petite armée avec nous. Hein. Ça fait plaisir, mais en même temps, c'est un peu dommage. Ouais, je me mets à. À checker tous les. Tous les trucs au sol, hein, parce qu'on sait pas où est-ce que pourrait être la base. Vu qu'on sait pas d'où vient la base, bah, il faut tout checker. Si j'ai déjà refait le tour ici. Oh, je veux dire au niveau du sol. Oh, je les ramasse pas pour moi hein, ces trucs là, je les ramasse pour les tenues. Non, pas de crotte au cul ici. Faut que j'arrête de les appeler les crottes au cul par contre. Ah non, c'est bon. Moi c'est clairement ce que je vois, mais pas très sympa quoi. Ces pauvres corrugus qui ont rien demandé à personne quoi. Injustement appelés crottes au cul. Bon après c'est un peu ce qu'ils nous donnent, mais bon.
ça reste pas très sympa. Salut toi. Ah, donc celui-là je l'ai déjà trouvé. Je sais pas ce que vous êtes vous comme pigeon mais vous êtes joli hein. Et du coup les trois trucs en dessous je vois sur la minimap. Qui sont bien bien en dessous hein. C'est juste des plateformes. Avec des coffres. Non, donc c'est pas des plateformes, mais... Je vais la prendre, mais juste pour la sortir. Ça c'est forcément un Korugu. Trop débile pour pas l'être. Ah, les spades ont un 24, par contre là ça commence à parler. Celui-là il était à 20, ouais non c'est pas si énorme. Et dire j'ai pas envie d'utiliser un... Et même si je voulais utiliser... Un Boeing ça me coûte aussi cher. Hein. Donc autant... Autant faire un scooter pour le même prix qu'on pourra réutiliser. Si on arrive à bien se poser avec. C'est pas si compliqué. Tu vois, c'est bizarre qu'il soit juste là, quoi. Ah, ça c'est un vœu des sages aussi. Et ça aussi, peut-être. Ça c'est juste des coffres, du coup, a priori, ces trucs-là. Ou des crotocus. Ça qui est un peu... compliqué. Alors on veut aller au vert. Qui est assurément plus haut. Ah quoique si c'est le truc là devant, c'est pas si haut que ça. Et j'ai bien l'impression que c'est ça. Ça c'est ouf parce que... Là j'ai l'impression de pas être très haut mais c'est la hauteur de plein de trucs que j'ai fait. En même temps t'as des trucs vachement plus hauts. C'est dommage, ils auraient pu faire une carte très remplie mais très verticale. Avec plein de niveaux d'intérêt. Ils ont choisi de pas le faire. Ah non, ce que je vois là c'est ça. En vrai, on pourrait se les faire. Hein. J'ai l'impression que tous ces trucs-là, ça va être que
que des coffres de merde. De merde. Voire pas de coffre du tout. Il y a un coffre là-dessus. Ouais, il y a un coffre là-dessus. Mais bon, c'est que des armes ou des trucs du genre, c'est pas intéressant. Ouais, voilà. Du coup, le vert qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ça là? Ouais, sûrement. Et vous voyez, c'est quasiment à la même hauteur et pourtant, c'est marqué comme point d'intérêt important. Enfin, comme étant vachement plus haut. Alors que des petites îles à cette hauteur là, en fait, il y en a des masses. Il y en a masse, masse, masse. Ça se trouve, je l'ai déjà faite d'ailleurs. Vu que j'ai pas tout marqué. Marqué le dernier vœu de sage que j'ai récupéré d'ailleurs. Bon. Pire, je me souviens. C'est juste une carte au trésor aussi. Hein. Comme je disais. Quelle agréable surprise! En même temps, j'ai dit qu'il me manquait de points d'armure. Ah oui, là, là, je confirme, j'ai pas dû y aller beaucoup par là. Ok, donc il y a des trucs que j'avais pas chopé. Manque une partie de Link Ocarina of Time, je crois, et de Link Twilight Princess. Après, il y a peut-être des armes aussi, ou objets spéciaux, auxquels j'ai pas pensé à l'époque. J'irais bien faire un tour sur ces trucs-là, quand même. Mais il y en a tellement... Ça m'étonnerait qu'ils en mettent là-dessus. On se concentre sur ce qu'on sait faire, on va vers le bleu. Pas parce qu'il... Attends, je fais ça. Pendant qu'on fait le tour, on vérifie qu'il n'y a pas de Korugu. À vérifier d'ailleurs sur cet arbre. Ça avait pas l'air, mais...